Comment communiquer avec son corps? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, toi et moi, dans cette nouvelle capsule. Bonjour, je suis Vanessa Millet, mentor, guide, conférencière audacieuse sans complexe. Je t'accompagne à créer plus d'abondance dans ta vie, à te connecter à cette puissance intérieure que tu as en toi et qui est l'amour et qui va te permettre de rayonner dans tous les domaines de ta vie. Alors si tu as envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, eh bien je serai particulièrement ravie de te retrouver. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ton corps, de la relation que tu entretiens avec ton corps. Et d'ailleurs, quelle est-elle? J'aimerais bien que tu m'en parles en commentaire sous la vidéo. Je crois qu'on a vraiment trop tendance à négliger notre corps et surtout la manière dont on peut entrer en relation avec lui. Parce que oui, le corps, on peut communiquer avec lui et c'est même essentiel d'entrer en communication avec lui. Parfois, j'entends des personnes qui me disent « Oui, mon corps me parle, effectivement, il m'envoie des signaux, etc. » Ça, c'est génial. Ok, ton corps te parle, mais est-ce que toi, tu lui parles également? On est dans une relation gagnant-gagnant. Ton corps te parle, parle-lui. Alors souvent, quand on parle de la relation au corps, on a vraiment deux extrêmes. Et moi, je faisais partie du premier extrême, c'est-à-dire que pendant des années, et surtout quand je vivais en région parisienne, j'étais complètement coupée, mais coupée, déconnectée de mon corps. J'étais totalement absente à lui, ce qui fait que je le malmenais complètement, alors que j'étais dure, vraiment dure. Avec lui, voilà, j'étais pas du tout synchronisée. Pour moi, voilà, le corps, j'étais totalement dans le déni. Alors que le corps, c'est quelque chose d'autonome. Le corps, il a son propre rythme. Il a des besoins. Il a des besoins en nourriture, en sommeil, en mouvement, hein, en activité physique. Il a des besoins d'amour, de tendresse, etc. Et moi, j'étais tellement dans cette dureté-là que je ne savais pas forcément quand j'avais faim ou quand j'avais sommeil. Je n'allais pas forcément me coucher. Je retardais toujours ce moment-là. Le sport, ça par contre, j'en ai toujours fait. C'était peut-être mon équilibre. Voilà, donc allez, dis-moi quelle relation tu entretiens, toi, aujourd'hui, avec ton corps. Alors dis-moi, est-ce que tu le sens, toi, ton corps? Comment tu te ressens dans ton corps? Est-ce que tu te ressens dedans? Est-ce que tu as l'impression vraiment d'habiter, d'être dans ton corps? Est-ce que tu ressens également l'aura autour? Ou alors est-ce que, effectivement, tu ne le sens pas? Tu es complètement coupé de ton corps au point de ne pas écouter ses propres rythmes, ses besoins? Le corps, tu sais, c'est lui qui nous amène toutes les réponses, il nous amène toutes les réponses, toutes les informations dont on a besoin. Tu sais, si tu réfléchis, quand il t'arrive quelque chose dans ta vie, il y a deux façons de réagir en fait. Bah, tu vas voir, en fait, ton corps, c'est lui qui va réagir. Il t'arrive quelque chose, soit tu sens que tu es dans la décontraction, le corps se détend. C'est qu'on t'amène quelque chose de bon pour toi. Donc le corps se décontracte, les muscles, waouh, c'est ok. Et à l'inverse, parfois, tu sens qu'on t'amène quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Et tout ton corps se crispe, se tend, tes muscles vraiment, waouh, c'est vraiment la tension extrême. Et pourtant, tu ne vas pas écouter toujours l'information que ton corps t'a donnée. Il te montre clairement que là, il y a quelque chose qui ne va pas, que tu ne dois pas aller dans cette direction. Et parfois, tu y vas parce que tu ne vas pas l'écouter. Tu dis « Oh non, non, c'est rien, j'y vais quand même. » Je discutais avec quelqu'un l'autre jour qui me parlait d'une relation amoureuse qui ne s'était pas bien terminée. Et lui, il me disait tout le temps « Ah, j'ai tout fait
j'ai tout fait pour elle. Ah oui, j'ai tout fait, égal, j'ai tout fait. J'ai tout fait dans mon corps. Mais je ne l'ai pas vue, parce que je n'ai pas voulu l'écouter. Si tu... Vraiment, si, c'est essentiel. Et c'est magique, en fait, d'apprendre à écouter son corps. Parce qu'il va vraiment t'amener tout ce dont tu as besoin. Et tu peux aussi... Alors, fais un truc, là, je ne sais pas, pendant quelques jours, observe aussi chez les autres. Tu peux recueillir plein d'informations en observant comment les autres sont dans leur corps. Tu sais, par exemple, déjà les mains. Est-ce qu'il y a de la présence dans les mains? Est-ce qu'elles sont fermes? Est-ce qu'elles sont molles? Est-ce qu'elles délivrent quelque chose? Et pareil, tu vas très vite voir à la façon dont une personne marche, bouge, s'exprime. Tu vas très vite savoir comment elle est, si elle va bien ou pas. Et tu récoltes en fait énormément d'informations sur cette personne, rien qu'en observant comment elle est dans son corps. Voilà, donc amuse-toi à ça. Tu sais, ce que je te disais, moi j'étais très déconnectée de mon corps, déjà parce que j'ai vécu des choses très très difficiles dans mon enfance, hein, des agressions sexuelles, etc. Et je me suis coupée de mon corps. J'étais complètement dans le déni. Du coup, je ne savais pas du tout ce dont il avait besoin. Et du coup, ça a été la maladie. Beaucoup de problèmes au niveau de la sphère ORL, des migraines. En fait, il y avait tout le temps quelque chose qui n'allait pas parce que mon corps essayait de me donner des signaux que je n'écoutais pas. Jusqu'au jour où, voilà, c'est fou, mais voilà, il se passe un truc extrême et effectivement... Là, ça a été le signal pour m'ouvrir. Puis j'ai quitté Paris, je me suis connectée à la nature. Vous voyez, là aujourd'hui, je vis dans un environnement, je suis à la campagne, donc je me suis vraiment reconnectée à cette essence, synchronisée à la nature. Je fais des câlins aux arbres, oui. Je ne suis pas perchée pour autant, je ne crois pas. j'aime sentir la terre. D'ailleurs, je vous invite à ça. Et même si vous habitez en ville, il y a toujours des endroits où il y a des parcs, où il y a des arbres. Et peut-être, pour vous connecter comme ça à votre corps, allez juste poser votre main sur un arbre. Allez ramasser la terre. Faites-la rouler entre vos doigts. Ou si vous habitez en bord de mer, faites la même chose avec le sable, etc. Et c'est vraiment juste pour sentir un petit peu votre corps, cette présence au corps. Et... apprenez vraiment à saisir toute l'information qu'il peut vous délivrer. C'est comme ça que vous allez être en bonne santé. En vous synchronisant à lui, en respectant son rythme. Puis rappelez-vous que notre corps, c'est notre véhicule, en fait. C'est le véhicule, certains diront, de notre âme, hein, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Alors plus vous prenez soin de votre véhicule et plus vous serez en bonne santé et plus on est connecté à son corps aussi et plus on va être dans nos intuitions, plus on va être connecté à cette vérité là de savoir sans savoir, c'est-à-dire c'est tout est à l'intérieur et on n'a pas besoin d'aller chercher dans les livres ou ailleurs, quelque part au fond de nous, on sait qu'on a la réponse parce que notre corps, il va nous le manifester, il va nous dire oui ou il va nous dire non. Il va se contracter ou il va se décontracter. Notre corps, il va s'ouvrir ou il va se fermer. Si tu faisais le choix d'ouvrir ton corps. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si tu l'as aimée, si tu penses qu'elle peut inspirer d'autres personnes, écris un petit commentaire, partage-la. Et puis si tu as envie qu'on se prenne une session motivationnelle ensemble pour faire le point sur ta situation, je serais particulièrement ravie de cet échange ensemble. À très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.